Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à la sixième session du sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine. Je m'appelle Sophia Briskin et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Quel voyage absolument incroyable nous avons entrepris au cours des cinq derniers webinaires. Bienvenue à nos éminents orateurs d'aujourd'hui qui nous rejoindront dans quelques instants pour les questions-réponses en direct. Pour nos téléspectateurs réguliers, c'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis heureuse de passer les deux prochaines heures à partager cette plateforme avec vous. Et bien sûr, bienvenue à nos téléspectateurs qui regardent le live stream via les plateformes NTD et Epoch Times. À ce jour, il y a eu plus de 350 000 vues sur de multiples canaux de ce sommet. Bien que ce sujet soit difficile à appréhender, la nécessité d'une réponse mondiale n'a jamais été aussi urgente. L'inspiration pour ce sommet mondial était simple. Tout d'abord, nous avons estimé qu'il était vital de faire passer un message clair au monde. Les êtres humains ne peuvent pas être traités comme des marchandises jetables, soumis à des prélèvements forcés d'organes inhumains. Et deuxièmement, qu'un cadre universel est nécessaire pour combattre ces crimes atroces. Tout à l'heure, la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes sera lancée officiellement. Grâce à ce document international, nous, les gens du XXIe siècle, pourrons proclamer notre détermination à mettre fin à l'atrocité la plus diabolique que l'humanité ait connue au cours de ce siècle. Le crime des prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes, perpétré par le Parti communiste chinois, ne peut pas continuer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre comment vous pourrez faire partie de ce processus historique. Permettez-moi de prendre ce petit instant pour vous expliquer brièvement le déroulement de la journée. Après les présentations formelles de nos intervenants, les déclarations universelles seront lancées par les cinq ONG co-organisatrices. Après cette annonce, notre public inscrit participera à une session de questions-réponses en direct avec nos intervenants. Et maintenant, permettez-moi d'accueillir une nouvelle fois notre panel d'experts pour la session de clôture. Ils discuteront de l'importance des mesures politiques et législatives pour lutter contre les crimes contre l'humanité. C'est un élément crucial dans cette conversation. Le déni continuel des atrocités par la Chine, d'une part, et l'absence de condamnation de la part de l'Occident, d'autre part, ne font que créer un cycle perpétuel de complicité. Dans le même temps, nous sommes motivés par le courage de ceux qui prennent des mesures pour proposer et mettre en œuvre des changements indispensables. Sans plus attendre, accueillons notre premier orateur invité aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le docteur Arthur Kaplan. Il est un professeur et chercheur renommé en matière d'éthique médicale qui a publié de nombreux articles et il est un expert sur le thème de l'éthique dans la médecine de transplantation. Le docteur Kaplan dirige la division de bioéthique du Centre médical Langone de l'Université de New York. Le docteur Kaplan a lancé un mouvement visant à refuser les articles de revues en provenance de Chine qui ne répondent pas aux normes éthiques. Aujourd'hui, il discutera des considérations éthiques liées à l'approvisionnement en organes dans le cadre des prélèvements forcés d'organes cautionnés par l'État. Hi, everyone.
Bonjour à tous. Je vous remercie de votre attention concernant ma présentation sur ce sujet très important. La Chine continue d'être une sorte de grande baleine blanche du don d'organes. Nombreux sont ceux qui, dans le monde entier, souhaitent ramener la Chine au sein de la communauté des transplantations, de la communauté médicale et de la communauté scientifique. Mais la transplantation en Chine continue de poser de graves problèmes éthiques qui doivent être sérieusement abordés afin d'être résolus. La Chine a réussi à atteindre des taux de croissance extraordinaires dans le domaine des prélèvements d'organes en milieu hospitalier et des transplantations au cours des 25 dernières années. Une croissance tout simplement incroyable. Cela en fait, si ce n'est le numéro 1, tout au moins le numéro 2 des transplantations dans le monde. Mais le problème est que les données communiquées par la Chine sur le don d'organes semblent trop belles pour être vraies. Un certain nombre d'études viennent de dire que ce qui est publiquement disponible sur le don d'organes semble trop peu fiable pour rendre compte de la source de tous les organes. Et la transparence et la vérification des pratiques d'approvisionnement en organes en Chine restent insuffisantes. En fait, les autorités chinoises considèrent parfois les données relatives aux transplantations comme un secret d'État, ce qui est tout simplement inacceptable, compte tenu de ce que nous savons de la nécessité d'un examen scientifique indépendant, d'un examen juridique indépendant de l'ambitieux programme chinois de transplantation d'organes et des efforts de réforme. Ce que nous pouvons conclure à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu des changements, mais que le système d'obtention volontaire d'organes semble continuer de fonctionner parallèlement à l'utilisation de donneurs non volontaires. Le plus plausible est que les prisonniers sont ainsi classés par erreur, à la fois comme prisonniers et comme donneurs volontaires. Ainsi, lorsqu'il s'agit de savoir qui est un prisonnier, et en Chine, beaucoup de personnes sont classées comme prisonniers pour des raisons qui ne sont tout simplement pas acceptables, selon les normes judiciaires ou légales. Les prisonniers sont classés en tant que prisonniers en raison de leur ethnie, de leur race, de leurs coutumes tribales, de leurs pratiques religieuses ou spirituelles. Nous savons qu'il y a un nombre considérable de prisonniers dans ce que nous appelons des camps de réforme éducative, des camps de concentration en Chine, et beaucoup, beaucoup d'autres personnes ont été condamnées à la prison pour n'avoir violé aucune loi réelle, pour n'avoir fait de mal à personne, mais simplement parce qu'elles ont un point de vue religieux ou spirituel particulier. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ces personnes comme donneurs d'organes à leur mort parce qu'elles sont classées par défaut comme prisonniers alors qu'elles ne devraient pas être dans cette catégorie. Et il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne sont pas actuellement utilisés et c'est moralement inacceptable, moralement injustifiable. De plus, à mon avis, les prisonniers ne peuvent pas donner leur consentement au don d'organes après leur mort lorsqu'ils sont dans un système corrompu et que leur système juridique est défaillant. Et cela semble être vrai, malheureusement, en Chine. Donc, l'idée que des prisonniers qui peuvent être exécutés pour on ne sait quelle raison donnent leur consentement volontaire au don d'organes après leur mort est absurde. Le consentement volontaire est presque impossible à obtenir pour le don post-mortem dans un contexte carcéral qui contraint et exploite. Le consentement volontaire est presque impossible à obtenir dans tout système carcéral en raison de la pression exercée sur les détenus du fait de la nature coercitive inhérente à l'environnement. Si l'on additionne les deux, on peut donc se demander, pour une personne considérée par défaut comme un prisonnier dans le système chinois, quel est son consentement volontaire après la mort possible dans une prison ou un camp chinois ? Ceci n'est pas envisageable. Ces sources d'organes jouent-elles toujours un rôle important dans la manière dont la Chine est capable de maintenir sa croissance constante en matière de transplantation? Eh bien, certaines réformes ont eu lieu, mais elles s'appuient toujours sur un système immoral.
alimenter en partie l'approvisionnement en organes par des organes de prisonniers ne devrait pas être possible. Le consentement n'est rien d'autre qu'un faux semblant. Nous sommes dans une situation où il n'est pas encore temps de renoncer à faire pression pour obtenir de nouvelles réformes et une meilleure protection des personnes impliquées dans le don et l'obtention d'organes en Chine. Tant que ces réformes n'auront pas eu lieu, nous ne pourrons pas encore intégrer la médecine et la science chinoise dans la communauté mondiale. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Merci beaucoup, professeur Kaplan. Ensuite, du Chili, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jamie Naranjo Ortiz. M. Naranjo est un universitaire et homme politique chilien, membre du Parlement du Parti socialiste. Il est l'ancien vice-président de la Chambre des députés et l'ancien vice-président du Sénat. Il a reçu de nombreux prix, dont le Prix national des droits de l'homme et le Prix Lumière et mémoire de la communauté juive. Alors que nous nous engageons à développer un cadre universel pour lutter contre les prélèvements forcés d'organes, notre prochain intervenant donnera un guide pour certaines étapes proposées. Le consentement est la pierre angulaire éthique. Le consentement est la pierre angulaire éthique de toute intervention médicale. Il appartient aux autorités de chaque pays de définir, conformément aux normes éthiques internationales, la procédure de recueil et d'enregistrement du consentement au don de cellules, tissus et organes. Comment le prélèvement d'organes est organisé dans leur pays et le rôle concret du consentement comme garantie contre les abus et les atteintes à la sécurité. Les médecins qui ont déjà constaté le décès d'un donneur potentiel ne doivent pas participer directement au prélèvement de cellules, de tissus ou d'organes sur ce donneur, ni aux procédures de transplantation ultérieures, ni aux soins des receveurs prévus de ces cellules, tissus et organes. Le trafic d'organes humains viole la dignité humaine et le droit à la vie et constitue une menace sérieuse pour la santé publique. Pour éradiquer le trafic d'organes, il est essentiel que les législations nationales et le droit international public criminalisent et sanctionnent le prélèvement illicite d'organes sur des donneurs vivants ou décédés, réglementent le prélèvement, la confiscation et la saisie et la coopération internationale. La transplantation chirurgicale d'organes humains provenant de donneurs décédés ou vivants sur des personnes malades ou mourantes a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 50 dernières années, la transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains est devenue une pratique mondiale qui a prolongé la durée de vie et grandement amélioré la qualité de centaines de milliers de vies. Grâce à l'amélioration constante de la technologie médicale, notamment en ce qui concerne le rejet de tissus et d'organes, la demande a augmenté et a toujours dépassé l'offre, malgré la nette augmentation des dons d'organes de personnes décédées et l'augmentation des dons de personnes vivantes ces dernières années. La pénurie d'organes disponibles a non seulement conduit de nombreux pays à développer des procédures et des systèmes visant à assurer cet approvisionnement, mais elle a également stimulé le trafic commercial d'organes humains, en particulier ceux provenant de donneurs vivants non apparentés. Les preuves de l'existence de ce commerce illégal et de la traite des êtres humains qui l'accompagnent
sont devenues plus évidentes au cours des dernières décennies. Nous avons le cas de la Chine. L'organisation et société de transplantation stipule que l'utilisation de prisonniers dans tout pays appliquant la peine de mort viole les normes d'éthique médicale, car les prisonniers ne peuvent donner un consentement libre. Le fait que la peine de mort soit appliquée en Chine continentale a eu pour conséquence que son système de transplantation d'organes a été remis en question par de nombreux experts de la société médicale. Les 6 inspections d'hôpitaux en Chine en 2015 par des agences internationales étaient programmées à l'avance et aucune des visites autorisées n'a eu lieu dans un établissement de transplantation en activité. En juillet 2016, un rapport préparé par différents scientifiques a révélé que le nombre d'organes transplantés par an en Chine serait compris entre 60 000 et 100 000. Des chiffres bien loin des 10 000 revendiqués par le régime chinois. Cet écart dans le nombre de transplantations annuelles est constitué d'organes provenant de prisonniers exécutés. Beaucoup d'entre eux sont des prisonniers de conscience, emprisonnés pour leurs convictions religieuses ou politiques. Les experts en transplantation affirment que la pratique des prélèvements forcés d'organes n'a pas cessé aujourd'hui, malgré les promesses faites par la Chine depuis 2014. Les experts des Nations Unies dénoncent les prélèvements d'organes en Chine. Ils disposent d'un mandat de l'ONU, mais ne parlent pas au nom de l'institution. Ils affirment être extrêmement alarmés par les informations dont ils disposent. Selon les rapports reçus, les organes les plus fréquemment prélevés sur les prisonniers sont les cœurs, les reins, les foies, les cornées et parfois des morceaux de foie. Depuis longtemps, les membres de l'organisation Falun Gong accusent le géant asiatique de prélever de force les organes de ses adeptes emprisonnés. Selon la tradition chinoise, lorsqu'une personne meurt, elle est enterrée sans mutilation. Et très peu de Chinois acceptent le prélèvement d'organes. Pékin a toujours fermement démenti ces accusations. Les prélèvements forcés d'organes en Chine semblent viser les membres de minorités ethniques, linguistiques ou religieuses qui sont placés en détention et de manière très personnalisée, sans aucune explication des raisons de leur arrestation ni aucun mandat d'arrêt, indiquent les experts. Ils soulignent également que cette question a déjà été soulevée auprès de Pékin par des experts des droits de l'homme aux Nations Unies de 2006 à aujourd'hui sans aucun succès. Les autorités chinoises ont nié à plusieurs reprises ces allégations et accusent les experts de l'ONU de calomnier leur pays. Elles affirment également que les experts de l'ONU manquent de jugement et de raisonnement rudimentaire et qu'ils sont devenus la proie de la désinformation des forces séparatistes anti-chinoises et du mouvement Falun Gong. Ce que nous proposons pour empêcher le commerce international d'organes et surtout la violation des droits de l'homme qui se produit dans certains pays. Premièrement, la communauté internationale et en particulier les Nations Unies, par l'intermédiaire du Haut Commissaire aux droits de l'homme, devrait envoyer une mission en Chine pour enquêter sur les pratiques de prélèvement forcé d'organes. Deuxièmement, de même, l'Organisation mondiale de la santé devrait surveiller les autorités sanitaires de l'État chinois pour vérifier le respect des principes directeurs sur la transplantation de cellules, tissus et organes humains. Troisièmement, de même, la communauté internationale devrait propicier la souscription par toutes les nations qui composent l'ONU de la Convention contre le trafic d'organes du Conseil de l'Europe
ouverte à la signature et à la ratification depuis mars 2015 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'agit du premier instrument international contraignant dédié exclusivement à la lutte contre le trafic d'organes. Quatrièmement, cette convention internationale oblige les parties qui la ratifient à ériger en infraction pénale dans leur droit interne le prélèvement, s'il est commis intentionnellement, d'organes humains sur les donneurs vivants ou morts. Cinquièmement, la coopération internationale doit être encouragée pour la poursuite des crimes de prélèvement et de trafic d'organes en termes d'enquête, d'extradition, de confiscation et de saisie. Sixièmement, encourager les parlements nationaux à adopter des résolutions condamnant le prélèvement et le trafic illicite d'organes et de tissus humains dans le monde, en particulier en Chine. Et enfin, d'encourager l'adoption d'une déclaration universelle. Je crois que la communauté internationale ne peut rester indifférente à ce dont nous avons été témoins ces dernières années, comme le trafic illégal d'organes. Je crois que les droits des personnes, les droits fondamentaux de l'homme, sont précisément le respect de leur dignité. Nous ne pouvons pas rester silencieux, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe sur la scène internationale, et notamment en Chine, en matière de trafic illégal d'organes. C'est pourquoi nous devons agir ensemble pour gagner cette bataille inégale à laquelle nous sommes confrontés. Merci d'avoir présenté des mesures aussi importantes, Monsieur Naranjo, pour lutter contre les prélèvements forcés d'organes. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre prochaine intervenante, Elisabetta Zamparuti d'Italie. Madame Zamparuti est avocate, membre du Comité pour la prévention de la torture au Conseil de l'Europe, ancienne membre du Parlement italien et trésorière de Hands of Cain, une ONG pour l'abolition de la peine de mort dans le monde. Veuillez accueillir Madame Zamparuti. Le mot torture vient du latin tortus, qui signifie tortueux. Et le fait de voir, d'entendre et de savoir ce qui se passe en Chine concernant le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers pour des raisons religieuses, d'appartenance à un groupe ethnique ou linguistique, me fait dire qu'en Chine, il y a la règle du mal, de la torture. Ce n'est pas un pays où règne l'état de droit. Les droits fondamentaux, les principes inviolables, comme le droit à la vie, à l'intégrité physique, à l'intégrité mentale, à la liberté, sont systématiquement violés par ce régime autoritaire, totalitaire, par cet état du mal. L'injustice, l'illégalité, la torture sont répandues en Chine et l'atrocité liée au prélèvement forcé d'organes est quelque chose d'inacceptable, de violemment inimaginable, parce qu'elle se produit sur des personnes détenues, sur des personnes déjà privées de leur liberté, qui sont entre les mains d'un État qui devrait les protéger et qui, au contraire, prélèvent leurs organes vitaux, et cela se passe aussi sur des détenus. Comme je l'ai dit, incarcérés pour des raisons religieuses, pour leur conscience, pour leur façon d'être, pour leur façon de penser
ou parce qu'ils appartiennent à un certain groupe ethnique ou linguistique. Le fait que dans ces prélèvements, dans cette pratique qui a une dimension que je définis comme industrielle parce qu'elle est systématique, qu'elle est répandue et qu'elle est aussi faite pour le profit. De savoir que le personnel soignant, donc nous parlons de médecins, nous parlons de chirurgiens, nous parlons d'anesthésistes, nous parlons d'infirmières, en d'autres termes, nous parlons de personnes qui devraient avoir à cœur le bien-être des êtres humains et qui, au lieu de cela, font partie de cette machine infernale. Cette machine inhumaine devrait vraiment nous faire réfléchir d'une part, mais devrait également nous faire honte en tant qu'êtres humains, sachant que quelque chose de similaire se passe dans un pays, la Chine, avec lequel nous entretenons des relations de plus en plus étroites, de plus en plus consolidées. Nous avons besoin que la communauté internationale, mais pas seulement elle, intervienne. Il est certain que les interventions des rapports spéciaux des Nations Unies nous aident. En particulier, il est important que le rapporteur spécial sur la torture, l'actuel et aussi le précédent, soit intervenu, ainsi que le fait qu'un tribunal, le China Tribunal, qui était dirigé par l'ancien procureur du tribunal pénal pour les crimes contre l'humanité commis en ex-Yougoslavie, soit intervenu en définissant cette pratique de prélèvement forcé d'organes en Chine comme un crime contre l'humanité. Je pense que c'est vraiment la définition la plus appropriée pour cette pratique qui est si répandue et si inacceptable. Ils sont intervenus plusieurs fois parce qu'ils ont acquis une documentation relative au fait que précisément ce type de prisonniers sont obligés de faire des tests sanguins ou des tests sur d'autres organes. Et ensuite, toutes ces données sont introduites dans une base de données pour faciliter le placement des organes prélevés. Nous parlons du prélèvement de cœur, de cornée, dans certains cas même du foie. Et ensuite, les familles des prisonniers dont les organes ont été prélevés n'ont même pas la possibilité, n'ont même pas le droit de récupérer le corps de leurs proches. Maintenant, c'est un scénario vraiment infernal qui doit nous amener à nous mobiliser en tant qu'organisation engagée dans la protection des droits de l'homme, des individus et aussi en tant qu'institution. Je pense qu'il faut lancer un appel à tout le monde, aux citoyens, mais aussi aux organismes supranationaux. Je l'ai dit, les Nations Unies sont intervenues, mais il faut aussi s'adresser à l'Organisation mondiale de la santé, au Conseil de l'Europe, au Parlement européen, à tous ces organismes qui peuvent intervenir et qui peuvent surtout donner des indications pour qu'il n'y ait pas de coopération avec la Chine, qu'il n'y ait pas la moindre coopération avec le personnel de santé ou, en revanche, que ce problème énorme, soit placé comme une question prioritaire dans toute discussion bilatérale ou multilatérale avec le régime chinois. Face à cette honte de l'humanité, nous devons aussi nous demander ce que nous pouvons faire pour changer la situation.
Je suis également membre de l'association Nessuno Toki Kaeno, qui a mené non seulement une bataille aux côtés du Falun Gong, mais aussi une bataille internationale contre la peine de mort. Nous avons réussi à faire proclamer par l'Assemblée générale des Nations unies un moratoire universel sur les exécutions. La Chine a également cherché, à la lumière de cette prise de position, à limiter le recours à la peine de mort. Il est certain que ces pratiques de peine de mort cachées, comme les prélèvements d'organes sur les prisonniers, se poursuivent. Et en nous demandant ce que nous pouvons faire, je crois qu'il est important de sensibiliser l'opinion publique mondiale à ce crime contre l'humanité et de travailler pour élever la conscience, notre conscience, et aussi aider la Chine. Et je me réfère au régime chinois, à changer, à élever sa conscience. Nous devons surveiller, nous devons savoir, nous devons être en mesure de voir et ensuite insister pour que le régime chinois permette également une enquête internationale sur ce crime contre l'humanité. Permette aux observateurs internationaux de se rendre en Chine pour vérifier ce qui se passe. Il est également nécessaire de sensibiliser les gens, car pour étendre la sensibilisation et élever la conscience, il faut des connaissances. Nous savons qu'après tout, les appels internationaux, ou au moins contribuer à ce que la Chine, en 2015, introduise une nouvelle législation afin que la possibilité de mettre des organes à disposition n'ait lieu que dans les hôpitaux et par ceux qui ont donné leur consentement volontaire pour que cela se produise. Nous savons que les prélèvements d'organes n'ont pas lieu uniquement dans ce cadre. Nous savons que des prélèvements d'organes sur des prisonniers ont également lieu. J'ai été choquée d'entendre et de lire des rapports sur la façon dont le retrait d'organes se produit également sur des détenus encore en vie, en particulier lorsqu'il s'agit de détenus associés au mouvement spirituel Falun Gong. Tout cela doit être connu. Mais je crois qu'en fin de compte, ce qui doit être mis en lumière, ce sont les principes mêmes que pratique le Falun Gong. Je veux parler de la vérité, de la compassion et de la tolérance. Pour faire face à cette bataille, nous devons incarner ces principes. La vérité, la compassion et la tolérance, et nous devons être leurs ardents défenseurs. Nessuno Toki Kaeno a ajouté une autre dimension, a ajouté une autre dénomination, spes contra spem. C'est une référence non violente, une référence à la lettre de Saint Paul aux Romains, qui dit que jusque quand tout semble désespéré et impossible, juste à ce moment-là, nous devons incarner cette espérance que nous voulons voir se réaliser dans le monde. Nous devons donc changer la Chine. Nous pouvons la changer. Nous pouvons le faire si d'abord nous pratiquons ce que le régime chinois veut effacer, la vérité, la compassion et la tolérance. C'est pourquoi il traite de la manière que nous connaissons les pratiquants de Falun Gong, qui sont injustement détenus et qui, de manière honteuse, sont également tués via le prélèvement
de leurs organes vitaux. Je vous remercie donc pour ce que vous faites. Je suis à votre disposition, comme je l'ai toujours été, en tant que militant des droits de l'homme et personne engagée contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, pour faire exactement cela, pour élargir la prise de conscience, pour élever le niveau de conscience au nom des principes de vérité, de compassion et de tolérance. Merci, Madame Zamparuti, pour avoir souligné l'importance des valeurs universelles que toute l'humanité peut chérir et respecter. Maintenant, nous accueillons Krzysztof Losiński. Il est un militant politique et des droits de l'homme polonais qui dénonce le fascisme et le communisme depuis les années 1960 et il a été l'un des leaders du mouvement Solidarité en Pologne pour lequel il a passé 15 ans en prison pour activisme en faveur des droits de l'homme. Il est un journaliste, rédacteur en chef, photographe, auteur et alpiniste réputé. Monsieur Losiński est une voix qui fait preuve de courage face au régime oppressif, une voix qui n'a pas peur de s'exprimer pour la justice. Le problème dont nous parlons est en réalité un problème d'indifférence, d'absence de réaction de la part d'un grand nombre de personnes en Occident, surtout des politiciens, des hommes d'affaires, des célébrités, des chercheurs et des universitaires, mais aussi des gens ordinaires. Il y a un manque évident d'action contre les atrocités du régime chinois. Bien sûr, il y a un certain nombre de personnes cyniques qui, connaissant déjà de telles atrocités, ne feront rien ou pourraient même les soutenir. Mais ne parlons pas de ces personnes car elles ne représentent qu'une partie insignifiante. Il existe un très grand nombre de personnes dans le monde qui s'impliqueraient dans la défense des droits de l'homme et réagiraient à de tels crimes, si seulement elles en avaient connaissance, si elles disposaient d'informations authentiques. Souvent, la connaissance que les Occidentaux ont des Chinois est très limitée, voire fausse. Tout notre système éducatif, surtout l'éducation historique, mais aussi l'éducation politique, se concentre sur les questions et l'histoire de notre civilisation. C'est l'objet principal de ce que l'on nous enseigne dans les écoles et dans l'enseignement supérieur. Cependant, on ne nous apprend presque rien sur l'histoire de la Chine au XXe siècle. Et ce n'est pas seulement le résultat de nombreuses années d'isolement de ce pays, mais plutôt le résultat de l'indifférence. C'est ce problème qu'il faut aborder. Souvenons-nous du fameux discours où Shirley MacLaine a dit « La meilleure chose qui soit arrivée à la Chine, c'est sous le règne de Mao ». Nous devrions alors nous demander « Quelle connaissance Shirley MacLaine avait-elle de la Chine ?» Aucune ou seulement de fausses informations ? Pour nous, il peut être choquant d'entendre le règne du plus grand criminel malfaiteur du monde être décrit comme une période de grand bonheur, mais c'était le cas selon les propos de Shirley MacLaine. Que faut-il faire pour résoudre ce problème? Tout d'abord, il faut éduquer davantage les gens sur ce sujet. Ceux qui doivent être éduqués sont avant tout ceux qui sont chargés de transmettre les connaissances aux gens. Il s'agit des journalistes. Ce sont les journalistes qui écrivent des articles. Ce sont les journalistes qui présentent les informations à la télévision et dans d'autres médias. S'ils sont bien informés sur un sujet, ils présentent des informations factuelles.
S'ils ne le savent pas, ils ne doivent pas présenter d'informations basées sur des connaissances erronées. Ce qui est important, c'est que les personnes qui vivent dans des pays démocratiques depuis leur enfance, des pays libres où règne l'état de droit, ne comprennent pas la véritable nature d'une dictature. Ils ne comprennent pas les réalités sous ces dictatures. Ils ne comprennent pas que le plus grand danger pour tous est le fait qu'un dictateur peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite pour lui et rien ne le retient. Il n'y a pas d'institution qui pourrait restreindre leurs actions. Un dictateur n'a même pas de conseiller, car il a des lèche-bottes. En fait, ce qui est imposé est une boucle de rétroaction positive. Le dictateur fait quelque chose et les lèche-bottes lui disent que ce qu'il fait est la meilleure chose à faire. Ainsi, même s'il fait quelque chose de vraiment mauvais, il reçoit le feedback qu'il fait quelque chose de vraiment bien. Donc, s'il fait quelque chose de vraiment bien, entre guillemets, il pense qu'il devrait faire davantage de ce qu'il fait si bien. C'est précisément le contraire qui se produit dans les démocraties. Dans une démocratie où il y a la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté de la presse, si le gouvernement fait quelque chose de mal, il y a une alarme instantanée dans les médias, une alarme instantanée de la société qui alerte les gens qu'ils font quelque chose de mal. Dans une dictature, c'est le contraire. Le mensonge le plus courant existant dans une dictature, commun à toutes les dictatures, est que les innocents n'ont rien à craindre. Ce n'est pas vrai. Ce sont précisément les innocents qui souffrent le plus des caprices du dictateur. Prenons l'exemple du règne de Mao Tse-tung. Sa campagne, le tigre fait un grand bond en avant, également appelé le grand bond en avant, a entraîné la famine et la mort d'au moins 45 millions de personnes en 3 ans. Au moins 45 millions, car c'est ce que l'on sait sur la base des documents rendus publics. Il est fort probable que le nombre soit beaucoup plus important, puisque les historiens estiment qu'il est de 64 millions. Qu'est-ce qui a conduit à cela ? Deux choses, la centralisation et la collectivisation. Voulait-il faire mourir de faim son propre peuple ? Non. Il voulait dépasser l'Angleterre dans la production d'acier. Il voulait construire une économie forte en peu de temps, et c'était totalement impossible. Et il a fonctionné de telle manière que chaque comté, chaque province devait montrer ses réalisations. Chaque fonctionnaire devait montrer ses réalisations. S'il n'avait pas de succès, il était emmené devant un mur et on lui tirait une balle dans la tête. Tout le monde présentait donc des rapports exagérés. Il y avait des quantités exagérées de productivité des récoltes, et sur la base de ces quotas, l'agence centralisée de confiscation fixait la quantité de récoltes à confisquer, ce qui avait pour conséquence de confisquer toute la nourriture des villages, très simple. C'est un exemple qui montre comment les innocents peuvent perdre le plus, et ces exemples sont nombreux. Pourquoi une chose aussi horrible que les prélèvements forcés d'organes a-t-elle lieu en Chine, où la plupart des victimes sont des membres de la communauté Falun Gong, des citoyens ordinaires non impliqués dans la politique, qui sont simplement raflés et assassinés parce que quelqu'un a trouvé qu'il pouvait utiliser leurs reins ou leur cœur pour être vendu? Eh bien, une dictature ne traite pas les gens comme des citoyens, mais comme des outils. Pour les dictateurs, les gens sont des outils pour réaliser ses objectifs. Il n'y a pas de droit civil ni de droit de l'homme. Les humains font partie des masses. Les systèmes communistes parlent de masse, pas de personne. C'est pourquoi les gens peuvent être soumis à de tels traitements. Nous devrions ici nous rappeler la célèbre citation de Staline : les gens sont nombreux dans notre pays, tant pis s'ils meurent, nous avons beaucoup de gens. Pour les dictatures, les gens ne sont qu'une ressource. Différentes positions sont possibles face à de telles atrocités. 1. Je me fiche de tout, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas intéressé. Je vis tranquillement à l'écart de tout cela, cela ne me concerne pas. 2. Il peut y avoir une position sous forme de fuite. Je vais fuir ce pays, je vais fuir et me cacher des gens, et ainsi de suite.
3. On peut prendre la position de se battre. La posture de lutte est difficile, elle demande des sacrifices. Je risque de faire face à des répressions de toutes sortes et parfois c'est même très dangereux. Et maintenant, je voudrais poser une question aux gens des pays libres. C'est génial, nous vivons dans une démocratie, nous choisissons notre gouvernement, nous avons le bien-être et la richesse, nous avons la liberté d'expression, nous pouvons dire ce que nous voulons, nous pouvons voyager où nous voulons, nous pouvons même pratiquer les sports que nous voulons. Ce n'est pas toujours possible dans une dictature. On se souvient qu'en Allemagne de l'Est, on disait aux écoliers quel sport ils devaient pratiquer. Ils étaient forcés et ne pouvaient pas choisir. Mais qui s'est sacrifié? Ceux qui se sont enfuis dans leur vie privée? Non, ce sont les désobéissants, ceux qui ont pris position. Ce sont eux qui se sont sacrifiés. Nous leur devons de pouvoir vivre en paix. Ceux qui ont sacrifié et risqué leur vie. Bien sûr, il est très difficile de prendre une telle position. Le courage des convictions a son prix, même dans notre vie privée. Il peut se manifester de nombreuses façons. Seul celui qui est passé par là sait à quel point le prix est élevé. Et qui est-ce qui fait avancer le monde? Précisément les désobéissants, ceux qui défendent les masses. Les gens qui agissent comme tout le monde n'ont jamais rien créé de nouveau. Nous devons nous en souvenir. Pour terminer, je voudrais revenir sur une très bonne phrase de Władysław Bartoszewski, un célèbre historien journaliste et survivant d'Auschwitz polonais, qui a participé au soulèvement de Varsovie. Il a dit « Ça paye d'être moral ». Dans ce cas, je dirais qu'il est payant d'être un résistant. Thank you. Merci, Monsieur Lozinski, pour ce rappel de ce que les dictatures peuvent faire à leur propre peuple et pour nous rappeler qu'il faut du courage pour faire la différence. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Roden, qui nous rejoint depuis le Danemark. Thomas Roden est un étudiant en sciences politiques à l'Université de Copenhague. Il est connu pour son travail humanitaire et de plaidoyer pour soutenir les dissidents démocrates de Hong Kong et lutter contre les violations des droits de l'homme par la Chine. Il est le président de la Danish China Critical Society. Monsieur Roden est une source d'inspiration pour la jeune génération de décideurs politiques et apporte un regard neuf sur l'établissement de relations avec le régime chinois. Dans la grande région de Copenhague, où je me présente au Conseil, nous avons un accord d'amitié avec la Chine, et je pense que c'est un peu hypocrite, parce que nous sommes aussi une région qui promeut beaucoup les objectifs de développement des Nations Unies et qui essaie toujours de faire ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Mais je pense que vous ne pouvez pas, d'un côté, toujours travailler pour rendre ce monde meilleur, faire ce qui est juste et faire ce qui va mettre le monde dans une meilleure direction, et puis, d'autre part, avoir un accord d'amitié avec la Chine et discuter en confiance avec ce régime à propos de l'amitié et de sa grandeur et de ce que vous allez faire ensemble pour rendre ce monde meilleur. Parce que le régime chinois ne rend pas ce monde meilleur. Il fait des choses maléfiques à ce monde. Par conséquent, la première proposition que je vais faire, si je suis élu au Conseil régional et à la grande région de Copenhague, est de m'assurer que tous les accords d'amitié avec la Chine seront supprimés à ce moment-là. Et je vais m'assurer que nous ne prendrons plus jamais cette direction. Parce qu'en tant que région qui croit aux droits de l'homme, qui croit au développement,
qui croit à l'égalité des êtres humains, nous ne pouvons pas être amis avec un pays qui commet un génocide contre les Ouïghours, qui sévit contre les Hongkongais et qui vole les organes des Falun Gong. J'ai cependant une chose positive à dire ici aujourd'hui, même si c'est un sujet très sombre. Je pense que dans mes générations, de nouvelles convictions politiques apparaissent et je les ressens. Nous ne voulons pas seulement vendre nos produits à la Chine si cela signifie que nous ne pouvons pas dire la vérité sur ce que fait la Chine. Et cela signifie que nous vendons notre propre âme. C'est pourquoi, sur une note positive, je pense que le monde va évoluer dans une meilleure direction, dans une direction où les pays européens en particulier, qui ont pris du retard, vont s'affirmer et dire au régime chinois que nous ne pouvons pas accepter la façon dont vous vous comportez dans ce monde. Nous ne pouvons pas accepter la façon dont vous détruisez la société mondiale et nous ne pouvons pas accepter la façon dont vous traitez votre propre peuple. Je pense que cette conférence est très importante car elle fait ce que le régime chinois craint le plus, dire la vérité. Et la vérité est une chose très, très, très puissante. Parce que la vérité est souvent ce qui prend les régimes et les tire de leur toute-puissance. Par conséquent, aujourd'hui, la dernière chose que je veux dire, c'est que tous mes amis, s'il vous plaît, continuez à vous opposer au PCC. Continuez à dire la vérité sur la façon dont la Chine force les Ouïghours à donner leurs organes, vole leurs organes et tue des gens pour voler les organes et les vendre sur les marchés. Et comment le régime détruit l'humanité en privant les gens de leur dignité. Parce que c'est ce que le régime craint le plus. Que nous nous levions chaque jour et disions la vérité sur les choses horribles qu'ils font à ce monde. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps de m'exprimer et restons forts dans la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Ravi de vous avoir parlé. Merci, Monsieur Roden, pour cette vision résolue de la voie à suivre, une perspective si positive. Et maintenant, avec nous, Debra Holbrook. Elle est infirmière en soins intensifs et experte en matière de sciences infirmières médico-légales pour le ministère de la Justice et de la Défense des États-Unis. Elle a fondé le Forensic Nurse Examiner Program, qui est devenu un modèle pour les États-Unis. Membre de l'Académie américaine des soins infirmiers, elle a reçu de nombreux prix internationaux. Veuillez accueillir Madame Holbrook. Bonjour et merci de me recevoir. Je suis infirmière doublement certifiée en soins infirmiers médico-légaux et membre de l'American Academy of Nursing. Les infirmières médico-légales ont une voix unique pour soutenir une position internationale contre le prélèvement forcé d'organes. La pratique du prélèvement forcé d'organes est une forme de trafic d'êtres humains dans sa forme la plus flagrante. Et en tant qu'infirmière médico-légale, nous avons non seulement la responsabilité, mais aussi l'obligation de soutenir tous les efforts visant à abolir ces actes, quel que soit l'endroit où ils sont pratiqués. Le prélèvement forcé d'organes n'est pas le fait de médecins et d'infirmières inspirés par la passion de sauver des vies, mais il est uniquement motivé par le gain financier et ce sont des crimes contre l'humanité. En tant qu'infirmière, nous avons prêté le serment d'Hippocrate d'exercer fidèlement notre profession,
de nous abstenir d'actes nuisibles et préjudiciables, de maintenir et d'élever le niveau de notre profession et de nous consacrer au bien-être de nos patients. Nous nous élevons en tant qu'infirmières et contre les infirmières qui choisissent d'assister de quelque manière que ce soit aux procédures de prélèvement forcé d'organes. Les infirmières ont du pouvoir au sein de nos communautés, même celles où le prélèvement forcé d'organes est illégal. À Baltimore, dans le Maryland, j'ai contribué à la formation d'un groupe réunissant plus de 60 agences fédérales, étatiques et locales et des organisations partenaires avec 13 systèmes hospitaliers pour dépister les victimes de toutes les formes de trafic d'êtres humains. Ces acteurs sont notamment le bureau du procureur général, le bureau du procureur des États-Unis, les procureurs de l'État du Maryland, le Federal Bureau of Investigation, Homeland Security et une foule d'organismes d'application de la loi locaux et étatiques, de médecins, d'infirmières, de défenseurs et d'intervenants communautaires, ainsi que d'élus et de représentants des gouvernements locaux et étatiques. Nous avons reçu des partenariats créant des campagnes de sensibilisation à la traite des êtres humains. Nous avons créé un plan de sauvetage et d'aide à ces victimes avec un point central d'admission connu sous le nom de système des points bleus. Nous nous tenons mutuellement responsables du dépistage des patients victimes de la traite des êtres humains et fournissons une réponse unifiée contre toutes les formes de traite des êtres humains. Nous avons créé et renforcé une législation qui tient compte des traumatismes et qui ne blâme pas les victimes de la traite, mais qui tient les délinquants responsables. J'ai œuvré à la création d'un sous-comité médical sur la traite des êtres humains, au sein duquel nous avons brisé les cloisonnements en rejoignant 13 systèmes hospitaliers, dont Johns Hopkins, afin de créer des politiques de dépistage et des formations pour le personnel médical et infirmier, d'adopter une réponse par point bleu comme point d'entrée central pour protéger les patients et de faire passer les patients victimes avant le gain financier. Nous avons ajouté le prélèvement forcé d'organes à la liste des crimes liés à la traite des êtres humains et sensibilisé les hôpitaux, notamment en gardant un œil sur les patients qui prévoient soudainement de quitter la liste d'attente pour une transplantation d'organes obtenue légalement afin de se rendre à l'étranger. Ces patients pourraient ainsi être considérés comme perpétuant ce marché du prélèvement d'organes. Nous recherchons les prestataires de soins de santé qui pourraient être impliqués dans l'organisation du départ de ces patients pour des prélèvements illégaux et nous nous battrons pour qu'ils soient poursuivis. En nombre, les infirmières ont le pouvoir ainsi que l'obligation morale et éthique de se tenir mutuellement responsables en tant que prestataires de soins de santé, d'éduquer leurs pairs ainsi que leur communauté sur le fait que le prélèvement forcé d'organes doit être aboli dans le monde entier. En tant que citoyens du monde, nous sommes tous des victimes potentielles de ce crime. Lorsque nous voyageons à l'étranger dans des pays qui n'ont pas rendu cette pratique illégale, personne n'a l'autorité de décider qui est digne de vivre et qui ne l'est pas. L'Academy of Forensic Nursing soutient notre mission consistant à relier la recherche à la pratique par le biais de l'enseignement, de l'éducation et du service aux personnes touchées par les traumatismes et réagissant à ces derniers. L'Académie s'engage en faveur d'une législation et de pratiques dans le monde entier qui abolissent toutes les formes de trafic d'êtres humains, y compris le prélèvement forcé d'organes, et établit des partenariats pour créer une voie unifiée qui fait progresser les droits de l'homme dans le monde entier. Et si ces crimes ne sont pas arrêtés ou maintenus dans la conscience internationale, en tant que citoyens du monde, et pas seulement en tant qu'infirmière, nous avons une obligation morale et éthique de protéger les gens. Le prélèvement forcé d'organes rejoindra d'autres formes de trafic d'êtres humains, comme le sexe et le travail, en devenant une pratique clandestine, même dans les pays où le trafic d'organes n'est pas légalisé. Et tout cela à des fins de gains financiers. Les infirmières médico-légales sont convaincues que le moment est venu de rallier les médecins, les infirmières et toutes les prestataires de soins de santé du monde entier pour abolir le prélèvement forcé d'organes. Et cela commence dans nos communautés, dans nos hôpitaux et par une position unie selon laquelle, en tant qu'infirmières et prestataires de soins de santé, nous nous tiendrons mutuellement responsables. Nous respecterons toutes les vies
et honorerons nos serments d'Hippocrate respectifs. Et nous sensibiliserons nos législateurs et nos dirigeants mondiaux pour mettre fin à toutes les formes de trafic d'êtres humains, y compris le prélèvement forcé d'organes. Nous vous remercions de votre engagement. Merci, Madame Holbrook, pour votre détermination et tout le travail extraordinaire que vous faites. Enfin, notre dernier intervenant d'aujourd'hui est le Dr David Curtis du Royaume-Uni. Le Dr Curtis est professeur honoraire à l'Institut de génétique de l'UCL, University College London, et il travaille actuellement à plein temps dans le domaine de la recherche génétique et de l'identification des facteurs de risque pour les maladies mentales. Ancien rédacteur en chef des Annals of Human Genetics, il a refusé de publier des articles provenant de la Chine par crainte d'une collusion avec la collecte massive d'ADN qui est utilisée en Chine pour soutenir les violations des droits de l'homme, notamment pour les prélèvements forcés d'organes. Agissant par conviction personnelle, il demande des critères de sélection plus rigoureux pour les revues de recherche et estime que les décideurs politiques doivent prendre des mesures pour réglementer ce domaine. Écoutons-le. Hello. I carry out research in genetics at University College London in England, and I was also until recently the editor of a scientific journal. Je mène des recherches en génétique au University College de Londres en Angleterre. J'étais également jusqu'à récemment le rédacteur en chef d'une revue scientifique en génétique appelée The Annals of Human Genetics. Je souhaite aujourd'hui vous parler plus particulièrement d'un aspect spécifique de la génétique qui me semble préoccupant en ce qui concerne les prélèvements forcés d'organes. Ce que je veux dire, c'est que nous savons que trois choses se produisent. Nous savons que des prélèvements forcés d'organes ont lieu. Nous savons que des personnes sont soumises à des arrestations arbitraires, à des détentions, parfois à des disparitions, parfois sans aucune procédure judiciaire. La troisième chose que nous savons, et c'est plus récent, est qu'il y a des tests de masse, des tests génétiques de masse sur des populations entières, des populations minoritaires et des régions particulières. Les gens sont parfois soumis à des examens médicaux forcés. Ils fournissent des échantillons de sang, et l'une des choses que l'on fait avec ces échantillons de sang, c'est que l'on peut en prélever l'ADN. On peut tester l'ADN des gens pour détecter divers marqueurs et variations de l'ADN. Nous savons que ces trois choses se produisent. Ce dont je parlerai spécifiquement aujourd'hui, c'est de ce que cela permet aux autorités chinoises de faire, si nous considérons que ces trois choses se produisent. L'une des choses qui n'est pas claire, c'est ce qui est fait avec les échantillons d'ADN collectés. Personne ne l'a dit et ce n'est pas officiellement reconnu. Nous ne savons pas ce qui se passe et l'objectif n'est pas clair. Des personnes ont exprimé des inquiétudes quant à ce potentiel. L'une des choses que l'on peut faire avec l'ADN, et nous le faisons en Occident, est d'identifier une personne qui ferait un bon donneur pour une transplantation d'organes ou de tissus. En Occident, cela se fait sur une base volontaire. Par exemple, lorsqu'un appel est lancé pour trouver un donneur de moelle osseuse, on nous demande de donner un échantillon de sang à partir duquel notre ADN serait extrait. Les gens peuvent alors tester si nous serions ou non un bon donneur pour cette personne qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et si c'est le cas, nous serons alors contactés. Nous pouvons nous porter volontaires, nous pouvons faire un don ou choisir de ne pas le faire. L'ADN que nous avons fourni est également placé dans une sorte de bibliothèque d'archivage. Cela signifie que si quelqu'un se présente à l'avenir, parce que nous y avons consenti, et qu'il a besoin de moelle osseuse, ou d'un autre type, son échantillon de sang peut être comparé à tous les autres dans la bibliothèque, et un donneur approprié peut être trouvé. Nous connaissons très bien ce processus. Ce que je veux dire aujourd'hui,
c'est que, bien que nous n'en ayons pas la preuve, le contraire pourrait se produire en Chine actuellement. Et il est très difficile de voir pourquoi cela ne se produirait pas. Vous avez là un régime qui collecte des échantillons d'ADN à partir desquels il peut obtenir l'ADN de toutes ces personnes. Nous savons qu'ils n'ont aucun scrupule à arrêter les gens, à les détenir. Nous savons qu'ils n'ont aucun scrupule à procéder à des prélèvements forcés d'organes. Cela apporte une nouvelle dimension terrible à ce processus. Je me souviens de l'époque où l'on nous disait que les prélèvements forcés d'organes concernaient les prisonniers exécutés, puis les prisonniers condamnés. Puis ce fut le cas de prisonniers qui n'avaient peut-être même pas été condamnés pour quoi que ce soit, ou des personnes qui avaient été détenues sans aucune raison. Cela signifie que les autorités chinoises sont désormais en mesure de procéder à une greffe de moelle osseuse, mais aussi à une greffe de cœur, de rein ou de poumon. Si quelqu'un a besoin d'une greffe, ce qui peut se passer maintenant en Chine, c'est que les autorités peuvent consulter les banques d'ADN dont elles disposent. Elles peuvent identifier un donneur approprié, et ce donneur ne doit pas nécessairement être un prisonnier condamné. Il n'est pas nécessaire que ce soit un prisonnier. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un détenu, car il peut s'agir de quelqu'un qui se promène dans la rue, qui va au travail, qui va à l'école, qui est chez lui. On peut frapper à la porte et cette personne peut être détenue, enlevée de son domicile, de son lieu de travail, et ne plus jamais être revue parce qu'elle est compatible avec une personne qui a besoin d'une transplantation d'organes. D'une certaine manière, cela pourrait donc permettre de traiter des populations entières comme une sorte de ferme humaine de donneurs d'organes potentiels. Maintenant, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de preuves que cela se produise. Nous avons des preuves que des prélèvements d'organes forcés ont lieu. Nous avons des preuves de détention arbitraire et de détention de personnes. Et nous avons des preuves qu'il y a une collecte massive d'ADN en cours. Cela soulève la question suivante. Puisque cela est possible, pourquoi diable les autorités chinoises ne le feraient-elles pas? Pourquoi ne pas se livrer à des prélèvements forcés d'organes si vous êtes au pouvoir en Chine et que vous avez un fonctionnaire puissant du parti qui a besoin d'une greffe de rein? Pourquoi ne penseriez-vous pas? Je sais, trouvons un donneur compatible pour lui et trouvons quelqu'un qui soit tibétain, carcéral ou ouïghour ou autre, trouvons quelqu'un qui serait un bon donneur pour cette personne importante à laquelle nous accordons plus de valeur. Pourquoi ne ferait-il pas cela? C'est la principale chose dont je voulais parler aujourd'hui, ce qui me préoccupe le plus. Je pense que cela nous apporte une nouvelle dimension génétique à ce problème. Cela peut nous amener à discuter du fait que nous pourrions faire quelque chose à ce sujet. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je ne suis plus rédacteur en chef des Annals of Human Genetics. Je pense que nous pourrions chercher à influencer le comportement de la Chine. Il y a des endroits où il y a des sensibilités et des choses auxquelles ils tiennent, et l'une de ces choses est leur reconnaissance scientifique et les carrières de ceux qui travaillent dans leur science. Si les pratiques que j'ai décrites ont cours, elles ne concernent pas seulement les services de sécurité, la police, les soldats, la police secrète et autres. Pour que cela fonctionne, des médecins doivent être impliqués, des scientifiques doivent être impliqués, les sciences génétiques et beaucoup d'autres personnes. Il ne s'agit pas d'une ou deux personnes, mais d'un réseau entier de professionnels scientifiques et médicaux qui sont complices. Cela soulève la notion que, même si tous les médecins, tous les scientifiques en Chine ne sont pas au courant de ce qui se passe ou pensent que cela se passe, peu importe, il n'y a aucune responsabilité. Aucun professionnel en Grande-Bretagne n'a essayé de faire ce genre de choses. Le General Medical Council serait impressionnant comme un coup de feu. Dès que le médecin serait découvert, il serait en prison. En Chine, ce n'est pas le cas. Les Chinois ne savent pas ce qui se passe et ils n'ont aucun mécanisme. Il n'existe aucun mécanisme permettant de s'opposer à l'État et de plaider pour le respect d'une norme éthique si cela va à l'encontre de ce que l'État veut faire. À mon avis, c'est qu'institutionnellement, les établissements scientifiques et médicaux en Chine sont impliqués dans ces processus. En tant que rédacteur en chef, je voyais arriver dans mon journal des soumissions de scientifiques chinois dont je ne connaissais pas l'identité. Ils avaient réalisé des études qu'ils voulaient publier dans ma revue, et je me sentais de plus en plus mal à l'aise à ce sujet. Pourquoi devrais-je croire que les scientifiques chinois avaient mené leurs recherches de manière éthique, alors que je sais que l'establishment scientifique et médical
est prêt à accepter de telles pratiques. Nous devrions poser la question suivante. Devrions-nous, en tant que profession scientifique médicale, adopter un boycott officiel de la coopération avec la Chine? Ce que cela signifierait pour les revues scientifiques, c'est que nous ne prendrions pas en considération les soumissions provenant de Chine, émanant de médecins et de scientifiques chinois. Nous devrions dire, écoutez, vous savez que votre profession est complice de ces pratiques. Nous n'allons pas vous traiter comme nos collègues. Nous n'allons pas dire que nous savons que vous suivez les mêmes pratiques éthiques que nous. Nous n'allons pas vous croire sur parole en affirmant que vos recherches scientifiques sont menées dans le respect de l'éthique. Et nous ne publierons pas vos articles dans nos revues. Les médecins et les scientifiques chinois veulent vraiment publier leurs travaux dans les revues occidentales, car c'est crucial pour leur carrière. Ce serait donc une bonne chose si l'establishment scientifique hors de Chine adoptait ce type d'approche. Je pense que cela accomplirait deux choses. Il appliquerait un degré général de pression et il fournirait également des informations. Je ne crois pas que les scientifiques qui nous envoient ces articles ne soient pas du tout au courant de ce qui se passe. Mais s'ils reçoivent une lettre de refus de la part d'un rédacteur en chef d'une revue leur indiquant que nous ne prendrons pas en considération leurs articles en raison des violations flagrantes des droits de l'homme en Chine, ils en seront informés à un niveau individuel. Nous pourrons alors peut-être sensibiliser les professionnels chinois. Il y a deux choses principales que je voulais souligner aujourd'hui. La première est que je suis préoccupé par cette pratique, par le fait que la collecte massive d'ADN permette de cibler des organes en vue de leur prélèvement, non seulement pour les personnes déjà détenues, mais aussi pour les personnes vivant dans la rue ou chez elles. Deuxièmement, il est temps pour nous, en Occident, de penser à des boycotts professionnels plus formels, en particulier parmi les médecins et les scientifiques, en partant du principe que les professions médicales et scientifiques en Chine sont impliquées à un niveau institutionnel dans ces pratiques. Merci beaucoup. Merci, professeur Curtis, d'avoir partagé vos idées et d'avoir soulevé un point aussi important avec nous aujourd'hui. Et ceci nous amène, mesdames et messieurs, à la fin des présentations formelles pour aujourd'hui. Merci à tous nos distingués orateurs et présentateurs. Vous avez tous abordé des points essentiels qui doivent tous faire partie de cette conversation mondiale. J'ai maintenant l'honneur et le privilège d'ouvrir notre sommet mondial au lancement officiel de la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. La Déclaration est une initiative des 5 ONG co-organisatrices qui visent à fournir à l'humanité un document solennel pour trouver une issue au crime des prélèvements forcés d'organes. Nous aimerions commencer la cérémonie de lancement de la déclaration en présentant cette brève bande-annonce. Après la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a pris position pour protéger les droits fondamentaux de tous les êtres humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que tous les êtres humains ont le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne. Mais maintenant, un crime diabolique innommable se cache derrière une noble profession dévouée à sauver des vies. En Chine, des personnes innocentes sont détenues de manière arbitraire, torturées et tuées pour leurs organes à une échelle industrielle. Le régime chinois a transformé les médecins en bourreaux. Et cela existe depuis des décennies maintenant. Nous, le peuple, sommes déterminés pour arrêter la plus diabolique atrocité de ce siècle.
le prélèvement forcé d'organes sur les personnes vivantes en Chine. Rejoignez ceux qui ont pris une position juste. Devenir des défenseurs des droits de l'homme. Prenez position pour l'humanité. Ajoutez votre signature à la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Je voudrais maintenant vous inviter à écouter les directeurs des 5 ONG co-organisatrices qui parleront brièvement de leur motivation qui a conduit à la rédaction de la déclaration. Je m'appelle Thierry Vallée, je suis président de l'ONG CAP Liberté de conscience. Depuis plus de 20 ans, nous défendons la liberté de religion et de conscience dans le monde. En 1999, nous avons été alertés et nous sommes depuis lors préoccupés par la persécution des membres du Falun Gong. Le prélèvement forcé d'organes est un crime qui consiste à prélever de force des organes sur des prisonniers d'opinion non consentants à des fins de transplantation ou d'autres procédures médicales, ce qui viole les valeurs éthiques universelles et les principes moraux de la vie et de la dignité humaine. C'est pourquoi ce congrès mondial est d'une importance capitale et concerne tous les acteurs de la société civile, de la politique et de la médecine concernées par les valeurs humaines. La Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes rassemblera la communauté internationale autour d'une charte fondatrice pour la protection des êtres humains afin que cessent ces crimes contre la dignité humaine. Votre participation à ce congrès mondial est importante car ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci. Des enquêtes et des rapports indépendants, ainsi que l'examen et le jugement objectif du China Tribunal, ont montré, au-delà de tout doute raisonnable, que la pratique du prélèvement forcé d'organes sur des personnes vivantes, encouragée par l'État, s'est produite et continue de se produire en Chine. Les témoignages et les entretiens téléphoniques avec le personnel médical des hôpitaux chinois sont crédibles et montrent que le principal groupe de victimes de ces crimes sont les pratiquants de Falun Gong qui ont été brutalement persécutés par le gouvernement chinois pendant plus de 2 décennies. Bien que les preuves soient irréfutables, on peut se demander pourquoi la communauté internationale n'a pas été en mesure de mettre fin à ces crimes contre l'humanité. Il est juste de dire que des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong et probablement beaucoup plus ont été assassinés pour leurs organes au cours des 2 dernières décennies. Pourtant, il semble que la communauté mondiale, en gardant le silence, n'a pas honoré ou respecté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes est nécessaire pour 2 raisons principales. Tout d'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée et adoptée à la suite de l'Holocauste pour prévenir d'autres violations des droits de l'homme. Cependant, la persécution et les prélèvements forcés d'organes du groupe Falun Gong se poursuivent en Chine au moment où nous parlons. Ainsi, la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes n'est pas seulement un pas vers l'amélioration de la situation des droits de l'homme après coup, mais une initiative visant à mettre fin à ces crimes pendant qu'ils se produisent encore. Deuxièmement, il semble que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'aborde pas le crime spécifique et incroyable que constitue le prélèvement forcé d'organes sur les groupes persécutés en Chine. Nous avons besoin d'un document qui traite spécifiquement de la pratique abominable du prélèvement forcé d'organes.
Le meurtre de personnes innocentes pour leurs organes ne doit pas être perpétré par la profession médicale. Pour des raisons énoncées dans l'introduction de la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes, nous vous demandons de nous soutenir en vous joignant à nos efforts pour mettre fin à ce déraillement de l'éthique médicale. Bonjour à tous, je suis le président de la KOET, Association coréenne d'éthique des transplantations d'organes, Lee Sung-won. Depuis 2006, le monde entier s'intéresse au prélèvement d'organes humains en Chine, un phénomène incroyablement maléfique. Malheureusement, depuis 2000, d'innombrables Coréens ont reçu des transplantations d'organes en Chine. La plupart de ces organes ont été fournis par des voies illégales en ôtant la vie à des prisonniers de conscience, notamment des pratiquants de Falun Gong. Il est honteux que la Corée, une nation qui pratique la démocratie et la justice légale, acquiert une si piètre réputation. Grâce à divers rapports d'enquête et à des décisions de justice indépendantes, nous avons appris qu'il s'agit d'une oppression sans précédent des droits de l'homme. KEOT a projeté un film révélant la réalité des transplantations d'organes forcés en Chine et a organisé des forums auxquels des milliers de personnes ont participé et des centaines de milliers ont soutenu notre cause par des signatures. L'année dernière, KEOT avait déjà soumis au gouvernement coréen une liste de médecins chinois impliqués dans des crimes liés à la transplantation d'organes et avait exhorté le gouvernement à leur interdire l'entrée en Corée. Je crois que toutes les déterminations et les actions pour y mettre fin sont des preuves de la conscience humaine. La société des soins de santé, le droit, la politique et les organisations civiles du monde entier doivent travailler ensemble pour rectifier la situation. KEOT promet de soutenir et de participer pleinement à la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre les prélèvements forcés d'organes proposée par des experts du monde entier. Nous nous engagerons à mettre fin aux transplantations forcées d'organes sur la planète. Nous nous réjouissons de votre participation et de votre soutien. En tant que médecin, nous avons trouvé de nombreux patients de retour de Chine continentale après une transplantation avec des problèmes médicaux et même des souffrances psychologiques depuis 2006. Après plusieurs années de recherche, nous avons découvert que plus de 100 patients de Taïwan se rendent chaque année en Chine continentale pour une transplantation d'organes. Et ces organes proviennent principalement de prisonniers de conscience, la majorité des victimes étant les pratiquants de Falun Gong. Ils sont tués pour leurs organes par le Parti communiste chinois. Des millions de personnes sont toujours en danger. C'est pourquoi nous avons commencé notre lutte pour sensibiliser le public et mener une modification de la loi adoptée avec succès en 2015. Après cela, nous avons constaté que le nombre de transplantations illégales à l'étranger a considérablement diminué à Taïwan. Cependant, le problème est mondial. Des patients dans le monde entier continuent à se rendre en Chine continentale pour des transplantations d'organes et sont impliqués dans ce crime contre l'humanité. La lutte n'était pas terminée. Nous sommes ici au sommet mondial 2021 avec tous nos alliés, tous ensemble, pour unifier le pouvoir mondial de lutte contre le prélèvement forcé d'organes, en particulier ce qui se passe en Chine continentale.
Maintenant, nous annonçons également la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Nous avons besoin de la foi et de la force de chacun, tous ensemble. C'est le tournant le plus important de l'histoire de l'humanité. Félicitations pour l'ouverture du sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Mon nom est Inagaki. Je représente l'association de recherche sur le tourisme des transplantations. Actuellement, la communauté internationale souffre de la propagation du virus du PCC. Il ne fait aucun doute que cette propagation a été causée par la nature du PCC à dissimuler la vérité. Malgré la gravité de la situation dans le monde, le PCC a poursuivi sa quête d'hégémonie. La communauté internationale a critiqué le PCC pour sa volonté d'hégémonie et la question des droits de l'homme en Chine a été mise en avant. L'un des problèmes de droits de l'homme le plus vicieux en Chine est le prélèvement d'organes. De nombreux pratiquants de Falun Gong et de Ouïghours qui ne s'alignent pas sur l'idéologie du PCC ont été tués par cette pratique barbare. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il faut mettre fin à cette atrocité le plus rapidement possible. J'espère que la Déclaration universelle aidera la communauté internationale à dire non à cette pratique barbare et sans précédent de prélèvement d'organes par le PCC et à l'horreur du PCC qui promeut le totalitarisme pour permettre cette pratique. Merci beaucoup. Nous remercions les 5 ONG co-sponsors qui ont annoncé leur soutien à la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Maintenant, je voudrais inviter le professeur Kaplan à annoncer le lancement officiel de la Déclaration. Accueillons à nouveau le professeur Kaplan. Bonjour, je suis Arthur Kaplan. Je dirige la division de l'éthique médicale de l'école de médecine Grossman de l'Université de New York et je travaille depuis de très nombreuses années sur les questions relatives à la transplantation, qu'il s'agisse du prélèvement ou de l'attribution, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer, d'approuver et d'encourager le soutien à la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes. Il s'agit d'un document qui s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît la dignité inhérente et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, comme le fondement, la base fondamentale de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain, en ce qui concerne l'application de la biologie et de la médecine, cimente davantage cette déclaration universelle que je vous annonce aujourd'hui et elle comporte un protocole sur les droits de l'homme en biomédecine concernant la transplantation d'organes et de tissus. Ainsi, en s'appuyant sur ces documents, la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes dit et fait beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est qu'elle appelle tous les gouvernements à combattre et à prévenir le prélèvement forcé d'organes, en prévoyant la criminalisation de certains actes et à faciliter, tant au niveau national qu'international, la poursuite pénale du prélèvement forcé d'organes. Qu'entendons-nous par certains actes ? La déclaration signifie que le don d'organes doit toujours être un don. Il ne doit pas être forcé, il ne devrait pas être quelque chose qui ne respecte pas le choix de l'individu.
et ils doivent faire preuve d'un respect fondamental en obtenant des organes et des tissus pour la transplantation, pour le bien-être et la santé de l'individu. S'il ne le fait pas, il doit être considéré comme illégal. Je pense que tous les gouvernements, comme le dit la déclaration, devraient prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger en infraction pénale dans leur législation nationale le prélèvement d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, en particulier lorsque ce prélèvement est effectué sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou avant sa mort du donneur décédé. Il est temps de renforcer la décence élémentaire et le respect des personnes dans le domaine de la transplantation partout dans le monde. Il est temps de veiller à ce que les prélèvements forcés d'organes qui reposent sur des consentements fictifs ou forcés cessent. Les nations engagées dans de telles pratiques doivent être identifiées, appelées à rendre des comptes, tenues responsables et même boycottées jusqu'à ce que la transplantation fonctionne dans un cadre moral de libre choix et de respect. Je pense que cette déclaration le fait. J'espère que vous la soutiendrez. Je vous remercie de votre écoute. Merci, professeur Kaplan. C'est un moment historique et il est si bon d'avoir votre approbation de cette déclaration universelle nouvellement annoncée. Enfin, j'aimerais vous présenter Madame Teresa Chou, célèbre avocate des droits de l'homme de Taïwan. Les 5 ONG co-organisatrices ont invité Madame Chou à présider le comité directeur de la déclaration universelle. Madame Chou va maintenant nous en dire plus sur la déclaration elle-même. Les 5 ONG d'Europe, d'Amérique et d'Asie qui ont conjointement initié la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes publient officiellement aujourd'hui ce document déclaratif afin de mettre un terme à l'atrocité la plus diabolique du XXIe siècle pour l'humanité. Pour réaliser et sauvegarder la dignité inhérente et les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine, nous ferons tout notre possible pour mettre en œuvre ce qui est énoncé dans la déclaration, y compris, mais pas seulement, ce qui suit. Premièrement, au niveau des États, promouvoir une législation contre le prélèvement forcé d'organes dans chaque État et favoriser une coordination étroite entre la législation, le système judiciaire et l'administration afin de combattre et de prévenir conjointement le prélèvement forcé d'organes perpétré par le PCC. Deuxièmement, au niveau international, promouvoir entre les différents États la collecte, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes concernant le prélèvement illégal d'organes, ainsi qu'une étroite coopération internationale et des actions en justice concernant les enquêtes sur le prélèvement forcé d'organes par le PCC. Les prélèvements forcés d'organes pratiqués par le PCC ne font pas seulement des victimes, principalement le Falun Gong et certains groupes ethniques minoritaires, mais ravagent également les valeurs morales, la conscience, la dignité et la vie de l'humanité.
Veuillez soutenir la Déclaration universelle sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes et mettez fin avec nous à ce mal sans précédent. Nous vous remercions. Merci Teresa Chou pour cette annonce et ce développement de la Déclaration universelle lancée pour combattre et prévenir le prélèvement forcé d'organes. Ceci conclut le lancement officiel de notre déclaration. Vous trouverez de plus amples informations sur la déclaration à la fin de notre session et sur le site web affiché dans la description. Dans un instant, nous passerons à notre session privée de questions-réponses où les participants inscrits pourront poser leurs questions. Il est maintenant temps de dire au revoir et merci à notre public live stream.